Hello, hello! Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous avez la patate. On est vendredi, c'est le week-end! C'est aussi l'arrivée de Xur qui se trouve à l'avant-garde et on va voir sans plus tarder ce qu'il a à nous proposer pour ce week-end. J'espère qu'il a du lourd. Perso, je me suis pas fait spoil encore, donc on va voir ça ensemble. Un engramme classique de torse, donc la carotte. Pour les titans, le casque laser qui vous permet de faire durer plus longtemps votre bulle. C'est sa principale capacité, en tout cas pour ce que j'en connais. Je l'utilise pas vraiment, c'est vraiment pas mon casque de titan préféré. Après, comme d'hab, ça vous permet d'augmenter votre énergie de super, de ramasser des orbes et de récupérer ainsi de l'énergie de grenade. Ça, c'est pour beaucoup de casques. Mais bon, c'est vraiment pas mon casque préféré, je vais pas vous le recommander. Pour les chasseurs, discipline force pour moi sur cette échine du jeune Amkara qui vous permet tout simplement d'augmenter la durée des grenades laser. Et les grenades laser du chasseur sont juste une tuerie. Donc ces gants sont plutôt pas mal, plutôt sympas, notamment en PVP. Surtout pour le fait qu'ils donnent une charge de grenades laser supplémentaire. Donc ça c'est assez intéressant. Et enfin pour l'arca, nous avons le plastron de la canine abyssale en discipline force également. Et donc ce torse vous permet de réapparaître avec votre niveau de grenade au maximum et votre grenade décharge d'action libère un projectile auto-guidé supplémentaire. Donc ça c'est pas mal, il y a mieux, notamment au niveau des gantelets, mais ça reste toutefois un très bon casque si vous jouez en Nova. Pour l'arme cette semaine, nous avons le Super Cellule Zalo, un très très bon fusil auto, je vous le recommande. Et pour ce qui est du reste, rareté, échange de matériaux, tout ça, rien de changé au niveau de Xur cette semaine. Donc voilà, personnellement, je suis déçue, il n'y a aucun stuff qui m'intéresse, aussi surtout parce que ça fait un petit moment maintenant qu'on est sur Destiny, pour pas vous le cacher, depuis l'alpha, donc ça va faire bientôt 3 ans. Et du coup, on a vraiment plus grand chose à lui envier, à ce Xur. Ce qui nous intéresse en général, c'est les engrammes, mais voilà, ça va vraiment pas chercher plus loin. Donc voilà, rien pour moi ce week-end. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce qui vous intéresse, ce que vous avez pris, sur quel item se sont portés vos choix cette semaine. Et moi, je vous retrouve très rapidement pour d'autres vidéos sur Destiny. Ciao tout le monde!